Dernière année, ça yo, niveau vulnérabilité pays d'Haïti, poussé international là, mettez Haïti dans liste pays qui plus fragile. Et fragilité ça, situation vient pire empirer depuis après assassinat président Jovenel Moïse. Et en parlant de assassinat président Jovenel Moïse, Gaye Martine Étienne Moïse, ancienne première dame, non? Nan yon ti pale li te genye avec yon journaliste nan France 24, eh bien, pa kache di nou, Martine Moïse li leve en pile pale en pile sous tout réseau. Kote gen Haïtien kap pose tèt yon question, suite avec déclaration Martine Moïse fè yo, qui sa effectivement que ancienne première dame nan konnen nan dossier assassinat président Jovenel la, qui est Martine Moïse ap cherché protéger, en pile question à poser. Bon ba ou quelques informations avant nous rentrer plus loin, puis fond nan dossier, qui sa Martine Moïse li di. Eh bien, nan ti parle que Martine Moïse te gen avec journaliste France 24 la, Martine Moïse, ancienne première dame nan, li déclaré. Après un pile insistance que journaliste t'a gagné, après un pile question journaliste t'a posé sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, ancienne première dame nan, li fait connaître, li gen l'idée sous qui côté assassinat Maril t'a sorti et qui moun qui t'a participé dans crime ça. Mais li pa jam di qui est ça. Et c'est ça qui levait tout parler en pile là. Et c'est ça qui fait tout parler nous tendez qui gagne sous réseau. Adverbe jamais. Le fait que ancienne première dame nan, Martine Moïse, lui dit que li pape jam di qui est qui participait dans touye Maril, gen moun qui pose tête sur question, est-ce que c'est vie Martine Moïse a cherché protéger dans ce ça l'œil dit le pape Jean dit qui est est-ce que le connaît mounyo c'est seulement de révéler le pape révéler gien l'autre monde qui dit comment Martine Moïse pral rive aider enquête là aider pour lumière faite sous dossier assassinat président Jovenel Moïse s'il dit li kon mounyo et le pape Jean dit qui est yo ye. Par rapport avec situation ça même moi-même trouvais dans le flou. Peut-être que l'état préférable pour ancienne première dame, non, pour dire que pour les besoins de l'enquête, li pa ka ba information, puisque en Haïti, instruction dossier li en cours. Aux États-Unis, enquête la poursuivre, dossier a continué faire chimel. Mais le Martine Moïse fait connaître que le pape Jean dit qui est. Li même qui s'est madame président, si le pape dit qui est, est-ce que c'est juge instruction? Qui lui-même nous connaît niveau corruption qui gagne en Haïti. Est-ce que c'est juge d'instruction qui pral faire lumière sur dossier? Déjà dans pays États-Unis, nous connaît c'est pas tout le monde qui fait la justice américaine confiance par rapport avec diverses catégories monde qui impliqué, qui gagne non yo ap cité, qui gagne soupçon sous dos yo non assassinat, non complot pour tout Jovenel Moïse. Et 2 juin qui sont passé, oui, c'est vrai, gagné un juge fédéral qui condamne Rodolphe Jean comme un homme qui a participé dans le complot pour tout le président Jovenel Moïse. Et juge fédéral, José Martinez, il est allé très loin, côté que vous avez même considéré Rodolphe Jean comme un cerveau, comme un auteur intellectuel. Alors que c'est même Martine Moïse qui dit que li pa kwè que Rodolphe Jean a assez de moyens à la disposition pour le mettre campé en complot d'envergure pour tout le Maril, pour tout le 58e président pays d'Haïti. Caché dit nous dossier ça déclaration Martine Moïse Seyo l'issimay en pile doute dans mitan population l'issimay en pile doute dans mitan moun qui t'a posé tête question déjà et qui est Martine Moïse veut protéger qui est Martine Moïse a protéger dans dossier ça leur dit que li pap dit qui est et li pap bay non qui est qui t'a participé dans complot pour tout gen Marie donc son dossier n'a suivi de très près puisque aux États-Unis là
gagne un rebondissement de dossier hein, et parce que information qui vient joindre nous dernière update qui gagne dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est que même juge fédéral José Martinez lui fait connaître que c'est dans mois mai 2024 que la justice aux États-Unis a organisé prochain audition 10 dans 11 suspects qui dans prison Miami yo. Et donc en attendant là pas gain évolution, pas gain avancée qui fait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, juste dans l'année 2024, précisément, dans le mois mai 2024. Donc, dossier président Jovenel Moïse, dossier assassinat président Jovenel Moïse, n'a fait mes petites parenthèses, n'a fait mes boîtes là, quitte là, en attendant que 7 juillet 2023 arrive pour nous connaître, est-ce que a gagné une deuxième année commémorative qui pourra le faire dans mémoire défunt président Jovenel Moïse. N'a continuer avec information nous pour aujourd'hui hein, puisque gagne un pile dossier qui a fait actualité, gagne et ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly qui gagne pour rencontrer avec homologue dominicain hein, et dans dossier haïtien, dans dossier almete bureau et de coordination République dominicaine là, et bien y'a bien pour y'a fon chita parler jeudi mercredi dans Washington suite avec assemblée ordinaire OEA a organisé. Bien premier ministre Ariel Henry et selon dernier communiqué que primature la limité de yon, dans date 20 juin hier mardi 20 juin 2023 yon fait connaître que Premier ministre Ariel Henry li quitté pays pour aller participer dans un sommet et sommet ça li pote non sommet pour un nouveau pacte financier que président français Emmanuel Macron a organisé côté que li invité divers chefs d'État et divers chefs de gouvernement et divers représentants d'organisations internationales, partenaires et dans secteur privé, philanthropes ONG avec et coalition ONG pour venir poser problème sur endettement divers pays dans le monde là. Par rapport avec la période pandémie COVID là, des séries de pays, surtout pays qui pauvres, surtout pays qui vulnérables parmi Haïti, donc et parmi Haïti, donc qui n'ont situation qui difficile bien avant, pendant période COVID là, qui prêtait en pile l'argent et qui pas arrivé remonter balance. Donc et par rapport avec situation ça, Emmanuel Macron pense que l'important pour être invité premier ministre de facto Ariel Henry, et bien premier ministre il quitte Haïti. Li allé à Paris pendant que et li pral participer dans sommet si là. Eh bien, dans moment là, premier ministre nous gagne cap assurer intérim nan en Haïti, c'est docteur Alex Lacerne qui c'est ministre santé publique et population. Donc par rapport avec nomination à l'intérim ça en pile ti parler en pile ti nous nou fait et parce que déjà te gen pile moun ki pa tremé forme tête et Alex Lacerne nan tête ministère santé publique parce que nou grand moun sa yo pa wè ki sa vin fè alors que gon paquet jeune femme jeune garçon on comprend qui finit études médecine yo qui fait et maîtrise qui fait doctorat qui gen spécialisation qui te ka utile pays an qui te ka utile et communauté a mais yo gade yo ba yon grand moun des fois qui pa même ka kembe koli yo pa comprendre ki sa ka passe an dedans pays an et non ti échange de gars avec vos amis il fait comprendre que bon ça ka arrive que moun sa yo lòe moun yo grand moun comme ça yo poko wè nécessité pour yon prendre retraite parce que yon toujours mette dans tête yon kabay kou toujours yon kabay service toujours et puis l'on ap gade gestion ka fait en deux dans pays yon sa ki gen pou avec et santé publique avec ministère santé publique c'est gestion catastrophique parce que ou gen principal l'hôpital et payant ou gen l'hôpital et général, c'est un véritable casquette chinois. En l'hôpital, côté médecin résident, yon toujours en grève. Donc, si ministère, si ministère là, dans ou yon portefeuille ministériel là, mon pour gérer ministère, vire tourner ses grèves, médecin résident pas qu'à toucher, patient pas qu'à jeune service, pas étoile gaz, matériel de base, yon pas gagné dans l'hôpital là, mais qu'on y a.
Mais quand il y a la petite pays, il pral participer dans un sommet. Pendant Jamaïque, c'était ministre économie et finance, Patrick Boisvert qui était assuré intérim. Eh bien, pendant que Ariel montait en France là, il quitté Alex Lassian pour assurer intérim dans dossier là. Faut moi dis nous et dans cadre du sommet si là, il y a divers autres gros autorités, gros autorités garçons qui pral participer. Parmi eux, il y a le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui a là, gen Janet Yellen qui c'est secrétaire au Trésor des États-Unis d'Amérique qui a là, et nous connaissons les États-Unis, li toujours mettre petit chocho dans fond basket pour Haïti, que ce soit pour aider nous faire face avec insécurité alimentaire, yo toujours là pour ba écoute maintenant question aide humanitaire yo, et bien li gen représentant qui a là, gen Ajay Banga qui c'est président Banque mondiale et qui a là, gen Kristalina Georgieva qui c'est président Fonds monétaire international qui a plat, parce que nous connaissons comment monsieur dame ça yo toujours paré pour yo dou yo pral investir l'argent en Haïti, yo pral faire don, yo pral faire prêt avec Haïti, et puis quantité l'argent qui baille pour Haïti au final l'on a regardé au bout de 3 mois, au bout de et 1 an, au bout de 5 ans, après paré aucun avance qui fait en Haïti. C'est vrai, l'argent rentre floup, li sorti flap, la lan poche dirigeant, la lan poche nèg international là, rien pas jamais résoudre pour Haïti. Oui, c'est vrai, Ariel nan kade sommet sa li pral gen primature annonce le gen pour rencontrer avec différents l'autre homologues, différents gros bras dans différents dans divers pays. Mais qui ça sa pral porter pour Haïti? Qui ça pral aider Haïti véritablement? Le n'ap gade comment dirigeant nou yo a traité Haïtien, a traité et payant en parent pauvre. C'est comme si on vive dans un pays, nous charger autorité, nous charger dirigeant, mais yo yon pa konsè de problème pays, yo yon pa konsè de situation à vivre là. Dans dernière année qui s'est passé yo, c'est même FMI, c'est même Banque mondiale, c'est même USAID, c'est même organisation internationale ça yo qui constate que niveau vulnérabilité haïtien, niveau vulnérabilité paysan, yo mette Haïti dans les pays qui plus pauvre yo, que ce soit dans Caraïbes ou bien dans le monde là, parce que Haïti pas répond avec critères. Pendant que international organise ça yo reconnaît que Haïti dans une situation vulnérable, dans une situation difficile, catastrophique, même yo même encore, c'est même organisation internationale ça yo, c'est même pays ça yo qui a supporté autorité, qui a supporté acteur politique journée jodi qui sous pouvoir, qui pas capable résultat, qui pas capable rendement. Donc, comment on voulait pour Haïti progresser? Comment on voulait pour Haïti aller de l'avant? Comment on voulait pour pays en stabilité? Comment on voulait pour pays en sécurité? Le même nous-mêmes encore, n'a traité Haïti, n'a traité Haïti en parent pauvre, parce que nous choisissons qu'il y a un paquet de dirigeants corrompus, un paquet de nègres nous gagnent dossier, un paquet de nègres nous connaissent ou pas bon. Nous choisissons qu'il y a un d'être l'État juste pour régler cause nous, juste pour gérer les affaires nous. Ce n'est pas possible et le pape jambe bon ça. Moi tombé sous yon prêche yon évangéliste, ma konnen yon pasteur li tap bay non l'église, et m'pa kache di nou, m'a tande prêche son véritable plaidoyer la fait pour kaleje haïtien. C'est pas pour prêche bagay sa te encore, son plaidoyer pour jé haïtien, pour servir nous ka ouvrir, pour nous ka comprendre que quantité bagay ka passe en dedans pays, c'est nous même qui pour gérer, c'est nous même qui pour résoudre. C'est pas ni États-Unis ni Canada ni corps groupe ni BINU, c'est pas yo pral résoudre pour nous, c'est pas yo pral résoudre pour nous. Si nous pas gen dirigeant, nous pas gen nèg ak colonne vertébrale qui ka camper poser problème yo, chercher solution, camper garder blanc danger pour dire blanc mais qui ça veut pour Haïti, c'est nous même comme haïtien qui pour camper, qui pour assumer responsabilité nous, qui pour prendre destin nous en main, qui pour mener pays à la destination finale. Parce que si nous continuons à regarder des ruses qui gagnent avec pouvoir et le rien, si nous continuons à accepter que un premier ministre qui n'a pas ton pays, non cité, gagne ancienne première dame qui choisit porter plainte contre lui-même, qui constitue un parti civil, qui porte plainte contre ancien premier ministre, comme moun qui participe dans tout le mari, et puis n'exa, même autorité, sa, même dirigeant, ça continue à diriger pays, à prendre décision dans nos Haïti, dans nos Haïtiens, l'histoire de Jamaïque,
ça pas suffit. Li monte et Paris, ça pas suffit. Très bientôt, pral tande li Washington. Nous continuons à quitter la prendre décision, engager pays, engager nation, c'est nous qui elle. Et suivez bien. Pendant tout autant de dos, pour moi retourner encore sur le dossier Jovenel Moïse, pendant tout autant de collaboration, autant d'international à supporter Ariel Henry. Mais pour qui ça, États-Unis, dans ce moment-là, qui montrait que livrer prend dossier assassinat président Jovenel Moïse en charge, livrer faire lumière, livrer la justice, etc. Mais pour qui ça, il n'y a pas jamais pris en considération un ensemble d'éléments qui impliquent Ariel Henry. C'est pas parce que Ariel Henry range causé, régler les affaires, bon pour yo, douce pour yo. Ça, nous le comprenons, nous le kawel. Bon, faut attendre, après ça, que évangéliste, que pasteur Alita Baye, et peut-être ou même, journée et jour, dire en tant qu'haïtien, ou après conscience que bon travail pour faire, ou bon bagaille pour faire, pour sauver le pays, pour sauver Haïti. En nous tendez ensemble, et garder ensemble, qui ça prédicateur t'a dit, qui ça homme de Dieu t'a dit, comment t'a sensibilisé haïtien pour nous caler genou, pour nous ouvrir l'esprit, nous, pour nous comprendre que nous bon bagaille pour nous faire pour le pays. En allant. À travers le monde, parce qu'il était un leader sérieux. Qu'on y a, si la politique, c'est un art de bien gérer un État, une ville, une nation, bien gérer, qu'on y a, à partir de jeudi, depuis on est qu'à bien gérer Mbabo Toa pour venir candidat. Ça veut dire, avant à poser candidature pour venir gérer nation, ça, à l'apprendre bien gérer. Frère, c'est ça, ma petite de ça. Destiné, bout de tête de Saline Saba, non, elle pas semble à mille gouttes. C'est ça fait peuple haïtien, venez là pour me dire, c'est pas seulement, monsieur Gangyo qui coupable, mais chaque fois, tu prends mille gouttes dans mon monde, vous devez voter un vagabond, mettez sous tête nation, ça, à diriger monde de bien. On coupable tout! On coupable tout! On comprend tout! Et si on a parlé de changement, non seulement on a dit, hey, gouvernement besoin de changer, le peuple haïtien a besoin de changer tout. Parce que destiné nation, ça, c'est un peuple qui a une plus grande histoire, une plus grande histoire à travers l'humanité. On a pour le fond destiné, bout de sa l'intérêt de bataille, son cadeau à comprendre le peuple noir indépendant, pour qui ça, pour le fond, pour mille gouttes, puis là pour me dire, mille gouttes doit trahir. Parce que vous finissez de voter vacabon ça pour mille gouttes. Et lui, encore, pour le kidnapper petit tout, pour le plus passer mille gouttes d'aller. Si vous partez, il y a violé. Ça te passe. C'est où tu as 1000 gouttes pour te voter au vacabon à diriger le monde bien. Ça te pas jour, il pas apprendre, il pas lire, il pas à l'école, il a crasé l'école, il a crasé l'université. Pour qui ça? Il a toujours joué non. Il a payé 1000 gouttes pour craser destin en pays. Ça veut dire, avant votre monde, premièrement, gardez qui programme ni gagne pour pays. Deuxièmement, gardez pour si net ça, l'habitude gérer déjà. En d'autres termes, ou pas gérer bel discours ou net bail. Ou pas seulement gérer un bel programme ni présenter. Mon gérer ça qu'on a habitué à faire. Et si qu'on a habitué à faire pour bagaille, elle vient sous pouvoir la continuer à faire pour bagaille. Bon, pas comme faire rien, mais mon pour là, on pas qu'à gérer. On pouvait venir gérer une nation. Et bien, c'est pour louer. Hey. Bien. Nous sommes tendés là. Bon, bah, le prédicateur a dit qu'il vraiment intéressé. Ou pas qu'à gérer un poulaillé. Ou pas qu'à gérer un poulaillé, on besoin de gérer une nation. Eh bien, ça n'y est là même. Ça n'y est là, sous blague. Je veux dire, en tant qu'haïtien, il est important vraiment. Il est important pour comprendre. Pour qu'on ait que nous pas qu'à la guerre destinée pays, nous pas qu'à la guerre avenir pays, sous prétexte que nous rendons nous vulnérables, nous en misère, etc. Pour la guerre sous des politiciens qui ont bon mille gouttes, qui viennent acheter ou, qui viennent acheter votre ou, qui viennent acheter conscience ou, qui viennent acheter sympathie ou amitié ou, etc. Il y a des séries de nègres, il y a des séries de femmes qui passent dans l'État, qui pas bail résultat, qui pas jamais bail résultat. Qui pas fait preuve de compassion, qui pas fait preuve d'humanité pour population, pour moun cité soleil, pour moun la saline, pour moun belle, pour moun qui nan krasse yo, nan misère yo, et puis journée jodi an la,
sous prétexte que Ariel Henry pas réglé rien, Ariel Henry pas capable rien comme résultat, Ariel Henry pas utile rien dans pays là, la, yo même yo les retourner dans Figimoun comme si c'est yo pi café, yo pi kon fait. Ariel Henry pas réglé rien. Ariel Henry pas bay résultat. Ariel Henry pas mené pays à bon port. Ariel Henry pas établi aucune politique économique pour retirer nous dans misère, dans crasse, dans malcité, dans mendicité. Mais et nous même là n'était passé sous pouvoir avant. L'était dans tête ministère, dans tête direction générale, qui ça nous te fait? Qui ça nous te fait? Combien moun nous te retirer dans crasse, dans misère, dans malcité? Journée jodi a li évident. Nous est ça prédicateur aujourd'hui, nous sommes en réalité. Cuba pas de question moun pa konn li, moun pa konn écrit non. Pas de question analfabet non. À Cuba, en Haïti yo dou analfabet pas bête sous prétexte que yo pas créé condition pour yo apprendre nous lire et écrire non. Yo pas créé condition pour yo apprendre nous lire pour penser, pour connaître que en tant qu'haïtien gen droit, gen devoir, gen des obligations. Yo pas créé condition pour apprendre li, pour qu'on sa constitution dit, pour qu'on histoire pays ou etc. Non, yo pas créé condition parce que yo pas besoin qu'on li. Yo pas besoin qu'analyser leur film pour analyser, pour décortiquer ça yo écrit pour ça yo prend pour comme décision. Non, ou trop fréquent, ou trop sous moun, ou pral camper en face puis devant. Et c'est une des raisons. Gen des série de nèg jounen jodi an ki nan pouvoir. Des séries de nèg ka fè politique, des séries de nèg ki konn fè politique longtemps, ki te nan opposition lò pran SDP allié, ki konn ap dou fòk l'école fermé, ki konn ap dou kanpe dè barricade se avnou. Jounen jodi an nou gade, an nou gade réalité. Depuis 4 ans sou Jovenel Moïse, yo fermé l'école, ti moun pa ka l'école. Jounen jodi an ki niveau éducation? Éducation nous a fin dégradé, li fin dégradé parce que nous te gros paquet nèg qui monte tête yo, qui montre yo se sel kok chante, qui montre yo se sel moun ki konn li, ki konn ekri, ki pi comprendre, ki pi ka défendre pays, ki ka mette pays sou rail développement, rail stabilité. Et pourtant c'est ça fait pas ta régler. Il n'a jamais été question de pays, il n'a jamais été question de stabilité, de progrès vraiment. Son groupe nèg qui était grand groupe, qui était vicieux, qui était soif pouvoir etc. Qui te wè yo te rete dehors, kreye kondisyon pou yo pran pouvoir, jounen jodi a yo nan pouvoir. Jounen jodi a nèg yo nan pouvoir, malgré que bandi kounye a nèg a gzam a ferme l'école, yo pa wèl. Malgré que jounen jodi a nèg a gzam entre dans l'école, al kidnappe petit tout, al kidnappe parent kap mene petit l'école, professeur pran bal maron, élève a victime, yo pa wèl. Se pa jan mon question ferme l'école. Vous êtes intéressé yo parce que yo te besoin pour président Jovenel Moïse aller parce que président Jovenel Moïse pas capable de résultat. Yo te besoin fermer l'école parce que yo te connaît. Si pendant temps yo t'a fait, yo t'a campé dans opposition, yo t'a fait et défait. Si yo te quitté à l'école, journée jodi an l'heure sous pouvoir t'a canalisé, t'a poué, yo pas de jambe dans interrol, les vraiment yo t'a manifesté sous Jovenel Moïse. Là on t'a dit fermer l'école, camper derrière barricade. C'est pour pas te comprendre. Yo pas de vouloir chanson pour te voir clair, pas de vouloir chanson pour jouer de l'ouri. Yo pas égaré. Journée jodi an suivre ouais, nèg sa yo kap attaquer système éducatif là. Nèg sa yo kap attaquer éducation ti moun yo. Ti moun jodi grand moun demain, yo préféré pour nous bon pépinier moun sort. Yo préféré pour nous gon pépinier moun ki pa konn ni li ni ekri, yo paquet analfabet et puis pi devant yo même encore yo pral utiliser discours analfabet pa bèt. Oui nous tout ces moun. Mais l'on gagne 70% population qui pa konn ni li ni écrit. Li tout normal. L'élection rive pour vin a bel discours, vin fè yo bel promesse, ba yo 1000 goud anti-kit diri. Anti-kit alimentaire. Li pi bon pou yo l'arranger kozé yo. Y a toujours vin avec slogan analfabet pa bèt parce que non analfabet pa bèt. Mais analfabet ça ou ka achete la avec 1000 goud, li pa jam wè nécessité pour le camper pour le défendre pays. Li pa jam konnè le gen au pouvoir, le gen président qui élu, le gen opposition qui en face li, l'el di al boule poteau, al krasé route, al coupé route. Li pa jam konnè pour di non. C'est l'argent qui paye yo, m pa ka fèl. Donc, il y a toujours qui est nous. Il y a toujours cherché détruire le système éducatif. Il y a toujours cherché mettre pied sous cou nous parce que nous sommes esclaves pour nous. Même Jean Jounen Jodi, nous dénonçons la communauté internationale, nous considérons comme oppresseurs.
Nous considérons comme bourreau. Nous considérons comme nexayo qui gen pied sous kounou. Eh bien, pas oublier tout. Non, dedans pays, nous gen bourreau, oui. Nous gen nexayo sous Jovenel Moïse qui te constitue opposition politique radicale là. Son paquet bourreau, yo, oui. Son paquet bourreau empêche petit ou à l'école sous prétexte que y a défend intérêt pays. Son paquet bourreau, les petits ou pas kon li, c'est eux même encore, oui, qui pral marcher sous fiel li. Les petits ou pas kon li, les ou pas là, c'est petit yo, oui, kap bien passé. Dans l'autre pays, parce que y a volé en Haïti pour investir dans petit yo. Deux mecs qui pouvaient bourreau pour marcher sous fiel ou encore, sous fiel petit ou petit ou. C'est ça la réalité Haïti. Et pas attendre nous que bon bagay qui pral changer. Non, sous continue jeter sous bloc glace. Pas attendre nous que bon bagay qui pral changer. Non, pour pays, sous continue de tête à tête, tête en bas. Sous continue à dire, on a fait cabrit, pas a fait mouton. Oh, moi même pas dans politique, m'a venu tout yé, m'a venu faire ceci, faire cela. Mais là, yon dépouille, yon vole tout bien. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, redi ap travail, d'une neige. 50 ans, redi ap prend humiliation. Là, yon dépouille, yon sa, comment pour yon tout yon encore? Des fois, c'est pas pour yon zam vide bal sur yon moun, non? C'est pas seulement qu'on soit katou yon moun. L'on tout yon espon, pa ket jeune femme, jeune garçon dans pays, yon. Vire tourne, c'est suicide, yon suicide, tete yon. Comment pour tout yon espoir encore dans le pays? Comment pour finir avec le pays? Donc, je ne j'en dis, un constat, c'est que nous avons un pouvoir qui décrit. De point de vue politique, en rien avec allié qui sous pouvoir, il n'y a pas de résultat. 20 juillet, quand vous venez là, après exactement 2 ans, 24 mois depuis Ariel Henry sous pouvoir. 24 mois depuis ancien premier ministre Claude Joseph qui a cédé Ariel Henry pouvoir. Mais, comment, franchement, dans la question politique en Haïti, il y a des choses que je ne comprends pas avec l'acteur. Dans le dernier sommet, le dialogue inter-haïtien qui s'est fait en Jamaïque, c'est la première fois depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse que le principal acteur crise pays d'Haïti, le principal monde qui mettait Haïti côté lié là, il a choisi Chita ensemble. Même le. De point de vue global, pas vraiment on décision qui prend côté que je n'ai pas entendu, on accord avec Ariel Henry, non? Malgré que yon décide entendre entre eux, yon protagoniste, mais depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est la première fois que j'ai divers acteurs, protagonistes, moun qui étaient en face de Jovenel, moun qui n'ont pas pouvoir Ariel Henry, yon décide de chuter ensemble. Et cadre là était vraiment élargi. Mais écoute, moi, je ne j'en dis, hier, m'a regardé un tweet que ancien premier ministre et Claude Joseph y fait, côté que, et il a dit que, et moment là, c'est pas moment pour gagner un remaniement ministériel avec et pouvoir Ariel Henry, etc., etc. Excusez, mais c'est moment pour parler de l'élection, c'est moment pour gagner l'autre et transition, etc. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que ancien premier ministre Claude Joseph, l'été après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était sous pouvoir, il était en pouvoir dans même lui. L'été était destiné nation dans même lui. Volontairement ou involontairement ou bien sous influence communauté internationale là, il cédait des pouvoirs à Ariel Henry. Mais journée aujourd'hui, nous finissons de des pouvoirs à Ariel Henry qui mène pays en côté lié là, qui traîne Haïti, qui traîne Haïti côté lié là. C'est après 2 ans que nous avons constaté que Ariel Henry n'a pas fait un pour pays. Dès le départ, depuis le, nous avons remettre Ariel pouvoir. Depuis le, non Ariel a cité un complot pour tout le président Jovenel Moïse, comme monde qui participait à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, ça n'a pas effleuré l'esprit nous que ce n'est pas un sérieux qui t'a réglé. Moi, franchement, je me suis dit qui ça qui était poussé au CPM. Non. By Ariel pour voir et jouer aujourd'hui, hein. Chita constate que Ariel pas ka fait rien, que Ariel pas fait rien, c'est moment pour bon l'autre transition. On l'autre transition pour combien de temps encore? Mais plutôt aujourd'hui, c'est moment pour nous parler de l'élection. M'pa croire que on pays ka continuer à plonger, à mener dans transition, 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 transition. Transition, la transition, nous tout au courant que c'est l'argent qui gagote, c'est l'argent qui dépense sans contrôle. Nous tout au courant. Donc, journée aujourd'hui, on a continué à faire promotion, transition, transition, transition. En tout cas, Haïti, en son pays spécial, moi-même,
pas jamais ka fin comprendre discerner divers acteurs divers protagonistes politiques nous gagnent qui dou yo vle Haïti changer yo vle gen stabilité yo vle pour gen un président élu yo vle pour gen des élus dans notre pays mais qui a pris des décisions qui contraire avec ça yo a prêché. En parlant de d'élection, en parlant de gouvernement etc., d'élus, nous connaissons pour ça arriver possible, faut gagner sécurité, faut gagner stabilité en dedans pays. Ça est évident et clair. Eh bien, Gueye et Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, qui longeait l'ouest toute longueur sous haut état-major la police, qui mettait haut état-major la police en cause, dans ça qui gagne pour avec insécurité, dans ça qui gagne pour avec question bandits, dans ça qui gagne pour avec gang cap simaye la troublaille en dedans pays. À tort ou à raison. Et hier, on parlait sur ça. On parlait sur ça. Complicité qui gagne en dedans institution la police, nèg qui n'a ou état-major la police, avec des séries de autorités politiques, gagne même qui gagne même relation avec bandit gang, pour que ça, parce que journée aujourd'hui, là, c'est comme si nèg la non fonction, li non poste, directeur la police, et comme si li ta plus envie, ouais, c'est étranger à venir faire job li pour li, que li même li assume responsabilité. Comment on peut comprendre que, ou gagne déjà la police en France LB, qui la, qui a une mission pour le respecter, qui prend des engagements pour le protéger population, pour le servir population, pour le croire gang, pour le croire bandit. Et tout nèg qui n'a pas été major la police, chaque jour, mon Dieu, mettez, c'est faiblesse institution à montrer. Nous, je suis montré que la police pas capable, la police faible, la police pas capable répondre avec besoin de sécurité, bandit au puissant, bandit au influent, qui gros âme qui a prêté pour bandit, oui, qui gros âme qui a prêté pour bandit. Mais moun qui fait gros âme qui a prêté pour bandit, c'est encore des acteurs dans la vie nationale, c'est la série de moun qui dans des postes de responsabilité, c'est ancien ministre, ancien directeur général, ancien conseiller. Et même moun sa yo ki gen des influences politiques, yo gen men yo tout longue en dedans PNH. Donc, si on regarde la réalité qui gen en dedans PNH, c'est comme si c'est un complot que pays en prend, population en prend, c'est un complot institution la police en prend, contre un paquet moun qui de mauvaise foi, qui gen mauvaise volonté pour yo un pays en sécurité, pour yo un pays en stabilité, et puis yo même, yo manigance tout bagay yo entre yo pour permettre à ce que bandit au puissant, pour permettre à ce que bandit au prend j'arrête, groupe gang au prend j'arrête, et puis chaque jour bandit au montre force, bandit au montre puissance. Imaginons hier, nèg vite l'homme yo kidnappé ancien président CEPA Pierre Louis Opo. Yo te kidnappé madame ni récemment, journaliste Marie-Lucie Bonhomme. Kounia yo kidnappé Maria. Donc, c'est un ensemble de signal clair, oui, que gang yon voye là. Gang après la kaye moun al kidnappe moun. Son ensemble de signal clair que yon voye. Nèg vite l'homme yo, gang vite l'homme yo a kidnappé des séries de anciens autorités en dedans pays. C'est des signal clair qui dit qui ça. Qui dit que gang vite l'homme nan li puissant. Qui dit que gang vite l'homme nan li contrôle ensemble de sphères, ensemble de périmètres. Qui dit que gang vite l'homme nan li gagne renseignement sur moun yon vin kidnappé, etc. Parce que m'pa kwen son bon matin que nèg lan li décide que le pral kidnappé un tel, la croise avec un tel nan la ril kidnappé. Yon veye activité moun yon, yon gagne information, yon renseignement sur moun yon. Donc, je ne veux dire que vous voulez, que vous parlez, l'on parle de l'institution de la police, l'on parle de sécurité de nos pays, questionner avant tout bonne volonté, bonne foi, est-ce que vous voulez rétablir la sécurité vrai, ou bien est-ce que c'est blanc, vous voulez venir fouler sur le pays, venir rentrer, venir faire job là dans la place. Donc, je vais vous permettre tout, étendre Pierre Espérance sous dossier PNH. Sous complicité, il estime que PNH a gagné avec les bandits, ou état-major, la police a gagné avec gang. Parce que si yon te fait travail yon journée jodi a gang yon pa tap multiplié, comme yon choisi ferme je yon sou paquet activité criminelle, sou paquet officiel qui dans l'état qui gen relation à gang, kap finance gang, kap bay gang moyen, kap fè zam ak munisyon rentre pou bandi yon, donc complicité a li flagrant, bah yon évident. Donc en nous tende avec moi, et entrevue ça qui te réalisé avec et Pierre Espérance, RNDDH, directeur exécutif RNDDH, nan micro. Magique 9. On nous garde ensemble. Et
Pendant des années, ça, on a remarqué, on a remonté la sécurité là, dans la région métropolitaine, là, notamment dans Tabar, et grand relâchement tout que nous remarqué dans centre-ville Port-au-Prince là, dans la plaine, il y a plusieurs cas d'enlèvement qui enregistrés. Est-ce que vous faites même remarque là, comme défenseur de la monde, nous on est capable de monitorer ça qui a passé et dans le pays là, et si vous faites remarque là, selon même qui ça qui est à la base que nous avons l'impression que bandits ont repris la main. Bon, après qu'aucune chaîne d'opération, ça, la police nationale a été menée dans la boule, et, si nous sommes capables de dire, Kinskoff et Pétionville, Thomassin, côté que, et, population, dans la zone, n'a pas son masse souffée en bas gang, Timakakra, et la police là, démantelée, et c'est dans un moment ça, population commence à mettre le bord, côté la police là, pour identifier bandits, et yo connaît et c'est comme ça mouvement Boakali a commencé dans mois d'avril là qui baille tout résultat qu'il baille là pour arriver commencement mois de mai et j'en ai dit li, et nous croyons que et j'en ai toujours dit li, pas aucune façon pour résoudre problème sécurité là, si pas un mariage entre la police là avec population. On l'autre côté tout, et ou pas capable de résoudre problème et sécurité à, sous pas résoudre problème impunité à, problème gouvernance à, problème absence état de droit, problème corruption, côté que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans le climat, impunité avec insécurité dans le pays à, côté que à chaque fois qu'il y a un effort qui fait de mon côté, et la police arrêter les bandits. Et ou toujours joindre des acteurs dans la chaîne pénale là, qui libèrent ou sans aucune forme et procès au détriment et population et même la police à tout qui c'est principal et cible et bandits qui victime à pile. Eh ben mouvement ça a été commencé, il était comment et dans le mois d'avril là et particulièrement dans fin d'avril qui était bail résultat jusqu'au commencement mois de mai côté que et la police a été senti la confiance avec la population a été senti la confiance avec la police, il a identifié bandits seuls et aspects négatifs et que nous avons toujours déploré bon, dans la question et Boakalia, nous avons toujours dit comme défenseur de la monde, n'est pas capable de faire justice, les ont identifié les gens qui sont dans la gang ou bien qui sont en train de gang et c'est Kembeyo, mené par la police, veillé pour police yo pas libéré yo, et pendant policier tout avec population a veillé des actes dans la chaîne pénale là, commissaire gouvernement et avec juge qui a libéré yo pour l'argent. Et donc nous pas d'accord pour yo prendre mon yo pour yo tuer yo après ça bouler yo, mais c'est bien que population a marché sur bandit avec mouvement Boakale et ça remettre yo bay la police. Malheureusement, dans commencement mois de mai, l'autre bail n'a plus au niveau, dans la police, ça. Ça vient faire que, oui, opération suspend. Et opération et policière, pourquoi les bandits suspendent? Normalement, côté que la police a venu plus moyen. Et c'est dans le moment où que la police a venu joindre et plus et blindé que l'État haïtien t'a commandé. Non, mais Canada depuis 2021, ouais, et On dit, dans le mois de mai, à commencement du mois de mai, et monsieur Américains Stevens. ont aidé Canadiens transportés en Haïti et plusieurs blindés, et Monsieur Stevens. malheureusement, ouais, toute opération suspendue. Ça veut dire Monsieur mon Stevens. ordre et qui Monsieur baille. Et Stevens. c'est dans un moment ça, ouais, Oui. et c'est dans un moment ça, et ma fini, c'est dans un moment ça, Oui. Non, ou dit l'autre bail n'a plus au niveau. Qui l'autre qui bail? Qui est-ce qui bail l'autre là? Eh bien, entre le commencement mai, pour le 17 mai, nous-mêmes, dans la RNDDH, nous parlons avec 21 policiers qui sont sortis dans différentes unités de la police, bien commissariat. Ils ont dit que, moi, nous, 21 que nous parlons, ils ont découragé par rapport avec Jean, ils ont
par rapport à la détermination de la population haïtienne qui est déterminée. Tout, et c'est comme ça, il y a l'autre qui baille pour que l'opération ne pas continuer. Et j'ai la police a avancé et sous gang, et particulièrement, et l'air empêché et gang et la gravine vie pour être sorti pour attaquer la population. Et c'est même gentil. Et le groupe Vite l'homme a brouillé des messages en détresse, côté que, ou t'es senti au paniqué. Et j'en ai dit, c'est policiers eux-mêmes qui dit, ils ont recevé l'ordre pour ne pas continuer l'opération. Et c'est dans le moment ça, où on voit que, les 17 mai, dans 8 ou 17, 17 ou 18 mai, et bandits voulaient déblinder. Dans la condition, que nous pas connaît. Jusqu'à présent, explication, pas bail. Même si t'as une enquête qui mène, si des sanctions qui prend, et bon, côté la police, ou inspection générale de la police, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas connu quelle bah, population qui donc, et Matisse, à côté, mon lieu, commence à passer, et bien, et bandit, on vient, et l'argent que mon lieu compte payer, et c'est ça que fait, ouais, dans fait mois de mai à tout, il y a un gang qui, et c'est gang pouvoir qu'il y a chez Neflem de pouvoir, on a parlé du régime qui était là avant, qui continue avec des mondes à pouvoir ça, on a parlé de Chris là qui attaquait et policiers dans Kafou et ou pas aucun effort qui fait bon côté la police là pour ton réponse à ça, pour demander gang qui ça. Et c'est comme ça, et depuis environ deux semaines et demie, on joint vite l'homme avec Boupli, qui fait menace, qui retourne dans la question kidnapping, qui attaque Kaimoun, qui boule et Kaimoun. Et tout bagage, ça a fait en bas de la police. Donc, à un exemple, lundi 12 juin 2023, c'est 28e anniversaire de la police. Là. Pendant, il me laisse finir chanter dans l'académie police, là, côté que t'es mon bifet, et mon yo commence à prendre l'action, c'est comme ça. Et yo commence à tirer, qui est gang vite l'homme là, et mon se courir. Et puis, t'as dans journée 20 et 12 et juin, où, pendant que, chef gouvernement, avec équipe, yo dans Jamaïque, eh ben, et gang vite l'homme là, attaqué, et consulat, et Jamaïque, qui sous, ou tabac, et yo met dife la dani, et bon c'est là qui longe tout et son auto gon et bon mon yo font paquet de défis, paquet de véhicules incendiés. Et ça continue, et j'en ai toujours dit lui bon relation entre leadership, certains éléments dans leadership la police a avec vite l'homme, et nous parler en pile avec leadership la police a pour nous expliquer aux situations et sous commissariat Navivi Michel et quantité policier qui sous payroll vite l'homme, nous plusieurs fois nous éviter dit ça dans la radio pour pas mettre population dans zone là et mon situation côté au père, mais réalité j'en ai plutôt dit ça pour mon connait côté regarde, et ça nous le dit il lâche la police ça et j'en ai là ou pas qu'à faire rien avec lui. Et parce que yo n'a connivence avec bandi et y a protégé bandi, et c'est ça que faut situation en vient dégénérer. Et si aujourd'hui journaliste yo aller vers policier yo j'en même nous fait nous parler avec yo, avec yo, y a deux réalités et qu'on contention au niveau de la police là, anti hiérarchie avec base là, parce que base là senti yo livré à eux-mêmes et yo ouais que police là institution que nous gagnons là, la disparaît par rapport à hiérarchie qui n'a connivence avec bandi, qui y a joué tout privilège qu'il y a avec fonction yo, et yo abandonné population et yo quitté population, et je dis hein, quel que soit moyen qu'on baille hiérarchie la police qu'il a pour faire travailler là-bas au même résultat, parce que y en a cassé fait couvrir ça, et les policiers à victime parce qu'ils ont pas de l'argent pour monter blindé et pour monter blindé la police là, et ça vient faire que les policiers viennent victime et blindé la police au char, il a fait et trafic
yo konnen, bon, si yo pran mezi kontroli, si yo patan de sa, yo pa anonsen sa, semble, ta semble, se yon sityasyon ki de wogade la polis a, la hirachi la polis a konnen, e semble tout, d'apre informasyon ke nou gen, gen de polisye ki se patron de gros chef an de la polis a, ki fe ke et je dis à la police en Italie, on a pour un exemple et qui dernier exemple. Récemment ça gagne 2 semaines. Côté que un policier BLTS qui gagne frère lui et policier a signé un docteur, il gagne frère lui qui signé un docteur tout qui dans ministère finance c'est lui-même responsable question et franchise et on a parlé des dossiers de l'église épiscopale. Eh ben le, la police les juges instruction qu'a mené et enquête sur et dossier l'église épiscopale là et joigne que et cadre ça qui dans ministère finance là et docteur impliqué dans question et trafic et ça non et dans vente franchise eh ben et juge l'a invité dit il met en interdiction de pas pour lui mais et frère et cadre ça dans ministère finance qui c'est yon policier dans BLTS facilité et frère quitter et pays a et facilité dans qui sens la, non il y a accompagné le faire quitter pays a et sous frontière il pas passer par aéroport et puis, non mais est-ce que mon oulib son déni écoute moi m'a expliqué la réalité et m'a salié et ses frères li et j'ai été arrêté policier pas bien arrêté si tu gagne pour arrêter pas la police pour t'arrêter c'est juge d'instruction parce que dossier dans cabinet d'instruction ou bien c'est juge d'instruction qui pour bailon la police arrêté policier les arrêté lui policier BLTS au campé ils ont demandé pour retirer directeur BLTS là et puis pour la guerre policier elle ça fait il la guerre policier et puis yo retiré et commissaire qui était la tête BLTS là. C'est pour commissaire, pour commissaire, est-ce qu'il qui nous ajoute d'autres éléments d'information dans ce que nous apprenons, parce que nous avons parlé avec Sinapoa, nous avons reproché avec le responsable BLTS là, que ce n'est pas pour la première fois que nous livrons un agent BLTS by DCPJ ça ou pas respecter procédure. Et nous avons reproché avec le responsable BLTS là, tout le fait qu'il a utilisé policiers BLTS pour le sécuriser de le monde dans le privé et il tire avantage li dans sa très bien. Ouais, c'est l'autre reproche que vous avez fait avec le commissaire là. Maintenant, on retourne. Non, attends. Nous, même côté, c'est même information que nous gagnons. Cependant, moi, je dis vous, il y aurait tiré le moment policier devait camper et contre et collègues, yo, confrères, ok, il a arrêté. C'est ça. Tout reproche ça, nous entendons, mais dans le moment transfert fait, là, il a retiré la tête BLTS, c'est dans le moment. Oui, c'est contestation. Oui, c'est ça, me l'a dit. C'est ça, me l'a dit. Donc, toute information là-haut, nous entendons déjà, nous entendons tout reproche ça, que le policier dans BLTS a fait contre le commissaire. Ok. Maintenant, on tourne sur la question de l'ordre là, et je veux comprendre. Est-ce que, par exemple, les policiers ont mené une opération, ils viennent tout près, ils ont gagné, ils ont gagné, etc. Et puis, ils ont tourné pour ne pas arrêter ou bien pour ne pas poursuivre l'opération. Puisque, nous sommes dans la date du 22 mai, il y a eu un jeu, la police nationale d'Haïti qui était recevoir un cocktail Molotov et sous Bissat-Néal, qui prend du feu. Ça qui devine fait que la police n'a pas capable de poursuivre l'intervention qu'il a fait et sur le village de Dieu. Ce n'est que récemment qu'il veut construire deux lotes et tractopelles blindées pour faire l'intervention. L'on parle de l'autre, vous voulez parler de qui ça exactement? Ok. Moi, si on a parlé de 22 mai, nous pas qu'à oublier 17 mai. Dans le 17 pour le 18 mai, ça a passé dans une zone canarien, côté que policier mourit, et puis, il y a un civil qui était dans les blindés, et que gang le prend, et il a fait parler pour monsieur t'expliquer que et c'est comme il a payé et pour te traverser. C'est ça, on a dit. Des blindés et boulés et population pas jamais joué une explication. Ça veut dire que la police n'a pas communiqué avec la population. Qu'on est là. Et
nous dit, c'est depuis commencement mai et opération campé dans zone bicentenaire et soulevé Jean Tegon, la police a Tegon fixation sous village de Dieu. Donc c'était commencement mai. Et dans le commencement de mai, c'est la police là même avec équipe communication qui t'a bail information pour dire et yo arrivé sous village de Dieu. Ça même dit yo arrivé, ça veut dire que yo essayé contrôler les zones là pour empêcher que et bandits dans le village là et sorti. Et c'est dans moment ça des nouveaux blindés qui rentraient qui et qui donc c'est comme ça où était et puis et policier pas en bas encore même si t'es un blindé qui était endommagé mais comme la police a venu sur la police et l'autre blindé t'es une possibilité pour t'es qu'une bonne présence dans zone là pour faire mounio pas sorti même genre tout et il était fait pour gang vite l'homme n'a pas de cas sorti et équipe vite l'homme était tellement et peur c'est dépalé j'ai dépalé dans message et pour montrer que il au même il est en situation côté peur et il a peur la caillou et pour qui ça la police a pas continué et même si policier ou état-major et pas de bail l'ordre pour policiers rentrer dans fief vite l'homme pour rentrer dans fief Chris là pour rentrer dans fief barbecue pour rentrer dans fief et grand avin et village là bon même si on pas ta fait tout un seul coup mais côté et espace qui te permet que gang yo et bandi yo a déplacer pour y al kidnap moun ou t'es capable ouais sorti vers zone 20 avril yo pour venir et tout si pendant environ 3 semaines et des monde qui commence à parler des 0 kidnapping et qu'on y a nous pas qu'à compter semaine ça depuis week-end se passer à combien kidnapping qui ont fait par jour c'est parce que tout simplement j'aimerais vous nous parler avec 21 policiers dans le mois de mai qui dit qu'il y a l'ordre qui va pour policiers pas continuer une opération pour policiers pas continuer mais qu'elle est présente dans une série de zones pour empêcher gang bandio déplacer aller dans l'autre zone et c'est ça oui qui donc on l'autre qui baille côté que et la police a continué au état major la police a continué quitter population à livrer à eux-mêmes même gens avec gouvernement qui fait que et gang yo vient reprend force yo reprend charrette qui fait que insécurité a et kidnapping là et puis attaque yo continue à faire sous population. Maintenant, donc, si vous comprenez bien, c'est où l'état-major là qui passe l'ordre pour policiers oui. Pour continuer l'intervention. Donc, ça va passer là, remonter et sécurité à lié imputable avec où l'état-major là. Correct. C'est ça lié. Nous, en contact avec la police là, nous travaillons pile avec l'institution et nous connaissons ça. Et nous connaissons la situation policière et dans l'unité spécialisée. Et policiers qui n'ont commissariat sur commissariat, nous connaissons ça vivre. Parce que nous, à terre, et nous rencontrons les policiers tout le temps, nous faisons des visites dans sous commissariat, dans l'unité spécialisée, et nous rencontrons les policiers tout, de l'autre côté, qui expliquent, non, situation, la police, là. Bien évidemment, nous, ne pas dire là, si nous dit là, et ça a créé plus panique, mais vraiment, bon dysfonctionnement au niveau de la police, là, et la police, là. Un travail, un problème entre où est ta majeure avec population. Leadership police. Dernière question, Pierre-Espérance. Est-ce que tu as un problème entre membres où est ta majeure, eux-mêmes, de bons problèmes à l'interne? Est-ce que il y a un bris, chef qui a remplacé chef, qui a couru, qui t'a fait un manque de sérénité, et dans où est ta majeure institution? Est-ce que tu as dit ça? Bon, comme c'est une allusion, c'est moi avec interviewé. Vous voulez répondre, ça vous connaît? Oui, et effectivement. Et depuis 26 et janvier 2023, bon, gros malaise au niveau et la police. Là. Et côté que nous sommes le jour 26 janvier, ça, et le premier ministre n'a pas Haïti, il était sorti en Argentine. Rentrer avant de rentrer et 48 heures, 24 heures avant de rentrer
et il y a des monde des journalistes qui dit c'est journaliste qui propose yo c'est un gars et annoncé que le premier ministre a pas de problème il va l'attaquer et il est capable de mourir et c'est ça qu'il a dit et moi-même moi pas dans pays là moi et c'est l'aime tourner moi et c'est et policier dans DCPJ qui fait me tendre bande sonore ça pour les journalistes à parler. Et attaque a été faite, vrai. Et premier ministre était en difficulté dans l'aéroport du 26 janvier ça. Et puis là ça t'a gagné un remède à circuler pour remplacer et actuel leadership la police, directeur général de la police. Et donc ça t'a venu diminuer, il vient de commencer encore dans le mois de mai. Et puis particulièrement dans mois de juin là, côté que t'assemblée yon nan moun qui pi bien placé et selon et Paul k'ap di c'est ta directeur et DCPJ et yo ta vle pour remplacer actuel directeur général de la police là. C'est pas sans raison que direction générale de la police là à partir de oui, directeur général de la police, direction générale de la police, à partir de échange qui te gagné entre Dimitri et Ra avec de l'autre monde, et la question de ce Tibois, eh ben, et, ouais, que, y a maintenant campagne, y a maintenant ça d'ailleurs, parce que non, et, le CPJ a des comptes, c'était la dernière, et puis, oui, et monsieur Spérance, et on t'a expliqué que Guénon, actuel de CPJ, et Frédéric Lecomte, et c'est moi qui ai ajouté dans lui, parce que c'est lui-même qui a dirigé le CPJ, et qui t'a pressenti pour la place de monsieur LB, et vous dites monsieur LB, t'as fait un vol expliqué. Bonne plus de détails, on dit, je ne comprends pas. Non. Voice n'a pas truqué. Son voice. Non, fuité. Ok, sorry. Ok. Fuité. Ok. Merci. Et c'est un voice qu'il a depuis quelque temps. Dans le moment que direction générale de la police a attendu que les comptes, c'est lui-même qui est bien placé pour ta venir remplacer directeur général de la police. Et bien, c'est comme ça, ils ont mis et dehors. Et pour être capable d'attaquer les comptes. Et c'est ça, il y a toujours. Ah, moi, et alors, pour attaquer Frédéric Lecomte, c'est ça, il y a toujours fait dans la police. Depuis, on m'a dit que j'ai dans la police. Il connaît un cadre dans la police, même s'il n'a pas gagné un poste ou bien il était là. Et il a pressenti ou bien qu'on rit, mais qu'il a psychiqué pour remplacer. Et puis, yo fait attaquer lui. Et c'est ça qui a privé, et ça qui a privé les comptes, qu'on y a, et campagne, qu'on y a, et son bagage qui fait, et c'est direction générale, après ça, qui a fait. Et nous, ouais, tout, gain des monde, parce qu'on est noir à terre, nous, on est noir à terre, non à mi-temps. Nous, ouais, gain des monde tout qui y est, qui est attaché à la directeur générale de la police, là. Et c'est lui qui a fait ce qu'il est, et voit ça, côté que Dimitri Ra, etc., qui a parlé. Et c'est ça qui est important pour nous, dans le moment côté population libre, à eux-mêmes, dans le moment côté insécurité à augmenter, dans le moment côté gagnant, à occuper plus d'espace, pour occuper plus d'espace, nous dit, c'est par rapport avec absence de leadership, bon, au niveau, et direction générale de la police là et dans haut état major et puis absence tout et par rapport et connivence et yo gagne avec et gang qui donc nous capable dire dans moment ça à côté que gagne et pour changer et direction et leadership de la police là et ben gon tension au niveau et haut état major grand pile qui pas parler avec l'autre et donc situation est extrêmement grave et comme étant donné c'est docteur Ariel Henry qui est chef et CSPN, là, qui c'est conseil supérieur et la police là. Et l'important est pour lui-même et pour le fond bagaille. Et ça l'a fait à faire. Et si vous voulez faire une amélioration pour permettre aux policiers et capables de gagner confiance, reprendre confiance et bon côté population, eh bien, c'est pas une autre bagaille pour faire, c'est faire changement dans l'état-major.
Et mais si vous voulez tout, c'est continuer, j'en dis à quitter population, à abandonner population. Mais ça fait à fort faire lié à travers un CSPN pour que policiers soient capables de côté parce que je ne dis à son bataille qui gagne pour qu'un mes postes et puis qui est capable qui pourra dicter général. Qui ça, exécutif, ça t'a reproché à France LB pour lui voulez mettre la tête? Qui ça, ou dit? Qui ça, exécutif, ça t'a reproché avec M. LB pour le taper? Ah, ok. Ça, vous reprochez, c'est tout ça, nous sommes dit là, nous décrit là. Tout ça, où nous sommes dit, tout. Et c'est eux-mêmes, vous reprochez, monsieur. Absence de leadership, problème dans l'état-major, problème politique avec la direction générale de la police, et il va avancer certains gangs avec la direction générale de la police, etc. etc. C'est tout ça, monsieur. Mm-hmm. Et avant de quitter, nous parlons avec l'autorité autour. Nous parlons avec police, même jour, nous parlons avec les policiers, nous parlons avec cadres de la police, nous parlons avec des gens dans la CSPN. Mm-hmm. Parlant de CSPN, c'est derrière la question. Et tout le monde connaît où ça va passer, la population en Wally, il est là. Oui, et qui est responsable de l'exécutif de la France CSPN? Parce que nous, il va faire un bar dans sa public. Il va faire un bar public ou bien on va faire un bar connaît? Ah, ou pas connaître. CSPN, en général, il n'y a pas public. Et okay. CSPN, il fait ça autant que il doit faire, mais nous pas connaître, même Abdou, il n'y a pas connaître. Il prend pas de temps sans pas faire CSPN. Il fait de temps en temps. Mais CSPN, pas public, c'est pour pas qu'il va discuter public. Allô? Merci de votre disponibilité pour le matin. Et bon travail, Kembela n'a dit que solution problème pays, impunité, banalisation de la vie, absence de gouvernance, absence d'état de droit, corruption, sécurité, il y en a mes populations, ces populations qui frappent pieds et camper vos côtés, la police qui déterminée pour bailler sécurité, tout bandit à rentrer dans trou, ni bandit à sapate, ni bandit à cravate. Nous, les populations haïtiennes n'ont pas qu'à continuer à vivre et vivre à genoux. Vivre à genoux, ça veut dire qu'on parle monde. Nous victimes trop de irresponsabilité, bon, autorité, yo, qui a vu privilège qui lié avec fonction, yo, et au retour, y'a pas abandonné rien, y'a abandonné nous. C'est ça qui fait que nous continuons à vivre à victime comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Kembe Fem, bon travail. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Wow.